bonjour à tous, c'est Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Fire Emblem Echoes. Donc la dernière fois on s'est arrêté en plein milieu du QG de la délivrance dû à un bug, sûrement parce que j'avais changé de pièce et le wifi il n'avait pas suivi à mon avis, il a dit non t'es trop loin. En plus la télé a été allumée entre temps, du coup ben voilà. Alors toi tu dis toujours pareil, d'accord, ben, on va aller explorer. Carte. Donc on avait exploré tout ce qu'il y avait là-bas. Ah là non, on n'avait pas exploré. Il n'y a pas de monstre ici. Ici non plus. Ici c'est vide. Là il y avait un coffre. Ah ça s'est refermé du coup, mais on l'a déjà pris. Toujours rien, du coup on va continuer là-bas. Génial. Je vais essayer de me mettre droite face à la caméra, comme ça va être mieux. Du coup, défense, toi tu vas un petit peu plus bas. Alors, Alm, Lucas, niveau 8. Allez, attaque feu. Heureusement que t'avais double attaque, hein, toi. Ah, alors dans cette partie sur YouTube, j'avais mis lui en mercenaire et lui en cavalier. Ah oui, il faut XP celle-ci. Elle lui a enlevé un. Heureusement que c'était le point décisif. Ah, lui, il va monter de niveau, donc désolé les autres, hein, mais ça va être lui qui va l'achever. Voilà, maintenant, ça, c'est un archer qui s'est visé. Ah. C'est quoi, ça? C'est nul. Que ça ne se reproduise plus. Ah, je l'ai touché quand même. Vas-y, pars devant. Hop. Très bien, donc Gray, ensuite Cliff. Très bien, alors toi tu vas redonner des PV à personne, personne de l'autre près. Et tu vas te mettre là. Qui est prêt d'évoluer? Alors elle. Bon, tant pis, c'est Claire qui va tout gagner. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Soumia. Le personnage... l'archer... voilà, je recommence avec l'archer Pégase. Le chevalier Pégase de Awakening. Alors, très bien. Lucas, tu pars en face. Ensuite, Tobin, tant qu'on y est. Allez hop. Oh, double esquive. C'est quoi ce monstre? Et Alm. Ah, il peut pas l'avoir, bon, c'est pas grave. Ah, faut que je recommence à faire gaffe parce que j'ai joué de mon côté.
Du coup, j'ai pas joué au classique, moi. Du coup, si mes unités meurent, c'était pas trop grave. Mais là, va falloir faire attention. Très bien. Il n'y en a aucun qui est fatigué, hein. Ah, il y en a toujours un qui était à 99. Donc là, on peut ouvrir. Et voilà, on en est au QG de la délivrance. Claire! Mon frère! Je suis si heureuse de te voir saine et sauve. Nous avons déjà tant sacrifié. L'idée de te perdre m'était insupportable. Tu es si pâle, Clive. Je suis navrée de t'avoir causé tant d'inquiétude. Mais je vais bien. Alm et ses amis sont arrivés avant qu'il ne soit trop tard. Alors te voilà, Alm. J'avais grand hâte de te rencontrer. Oui, monsieur. Oh, je t'en prie, tu peux t'affranchir de ce genre de formalité. Ma sœur adorée te doit la vie. Cela fait de toi un ami. Je m'appelle Clive. Comme tu le sais déjà, je dirige la délivrance. Je suis ravie de faire ta connaissance, Alm. Moi aussi, Clive. J'arrive pas à le croire, le vrai Clive, en chair et en os. Quoique, il est célèbre? Tobin, tu me déçois. C'est le capitaine des chevaliers de Zofia, y a pas meilleur que lui. Sérieusement, mec, lis un livre de temps en temps. Ah, d'accord, d'accord, c'est quelqu'un d'important, je veux bien. Mais alors pourquoi le meilleur cavalier de Zofia perd la guerre, alors? Eh bien, c'est forcément que... la ferme, Tobin. Quelle est la situation, Clive? Elle n'est pas à notre avantage, je le crains. Nous avons perdu beaucoup d'hommes lors du combat de l'avant-poste. Trop. Le moral de nos troupes est au plus bas. Je comptais sur l'arrivée de Myson pour leur redonner le courage, mais... N'en voulez pas à mon grand-père, je suis sûr qu'il avait ses raisons. Même si j'ignore leur nature. Je vous promets de me battre avec au moins autant d'ardeur qu'il l'aurait fait. Je ne veux juste pas qu'on pense qu'il... Je veux dire que ce n'est pas un... Ne t'en fais pas, Alm, je comprends. Personne ici ne pense que ton grand-père est un lâche. Ceci étant dit, j'aurai une faveur à te demander. Il s'agit de la même requête que je pensais soumettre à Messire Myson. Je vous écoute. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le réaliser. Dans ce cas, je vais te l'annoncer sans détour. J'aimerais faire de toi le nouveau chef de la délivrance. Quoi? Je veux dire, quoi? Je n'ai pas l'étoffe d'un chef. Clive, as-tu complètement perdu la raison? C'est nécessaire, Fernand. Tu le sais aussi bien que moi. À ses débuts, la délivrance ne comptait qu'une poignée de chevaliers de Zofia. Mais à présent, notre armée est à majorité composée de gens du peuple. Nous partageons la même cause, mais je ne sais pas comment les motiver. Myson n'était qu'un simple soldat avant de devenir chevalier. Puis comte, son histoire est une véritable source d'inspiration pour ces gens. Ne penses-tu pas que son petit-fils saurait les rallier sous notre barrière? Bien sûr que non, je ne suis pas un imbécile. C'est un paysan ingrat refuse de suivre tes ordres, il suffit de s'en débarrasser. Réfléchis, Fernand. Nous n'avons pas assez d'hommes pour nous permettre d'en perdre davantage. Pour ma part, je salue cette idée. Toi aussi? Le talent n'est pas l'apanage des chevaliers. Alm en est bien la preuve. Clive a fait tout ce qu'il a pu pour que la délivrance reste unie. Mais la situation réclame une nouvelle perspective. Alm me paraît tout indiqué. Je vais t'arracher ta langue, traître. Tu ferais pourtant mieux d'arracher tes propres oreilles. J'ai perdu un nombre effroyable d'amis, pourtant aguerris, à l'avant-poste sud. Nous devons changer de stratégie avant de terminer cette guerre au plus vite. Je vous en prie, attendez un instant. Je sais que j'ai dit que je ferais tout mon possible, mais je ne peux pas. J'ai tout à fait confiance en de tes limitations, Alm. Je continuerai à gérer le quotidien de l'armée avec l'aide de mes lieutenants. Nous n'attendons de toi qu'une chose, que tu diriges nos troupes. Ta présence sera une source de dynamisme et d'inspiration pour tous. Tu es le petit-fils de Myson. Je sais que tu en es capable. J'en suis pas sûre. Je t'en prie, Alm, fais-le pour moi, pour nous tous. Mon frère n'aime pas le montrer, mais je sais qu'il se fait beaucoup de soucis. Tu as le pouvoir de le soulager d'une portion de son fardeau. J'en ai envie, mais... D'accord, si vous en pensez capable, alors je ne vous décevrai pas. Tu en es certain? Alors merci, Alm. De rien, mais ne vous attendez pas à ce que je fasse des merveilles. Hé, si tu le dis. Ça pourrait tout changer. Ce garçon fera un chef splendide. Absolument splendide. J'en suis convaincue. J'en ai assez entendu, quelle idiotie! Fernand, que... Je n'ai rejoint cette maudite armée que parce que tu la dirigeais. Et maintenant, tu voudrais que je suive les ordres d'un gamin de ferme. Ce n'est pas un gamin de ferme, Fernand. Il a le sang de Myson. Myson, bah, qu'il aille au diable. On essaye d'en faire un héros. Mais personne ne peut dire le nom de la bonne femme qui l'a enfanté. Il a jeté un voile de disgrâce sur la noblesse de Zofia. Tu dois invoquer son nom pour que tes hommes te suivent, pathétique.
Assez. La plaisanterie a duré. Nous étions censés être un groupe de chevaliers unis pour une noble cause, rétablir l'ordre dans le respect des traditions de Zofia. Et maintenant, la délivrance n'est qu'un ramassis de cerfs ingrats, comme ton lieutenant, Forsyth, ou ce python qui porte bien son nom. Ils ont tous les deux prouvé leur valeur au combat à de nombreuses reprises. Est-ce anormal de récompenser mes soldats lorsqu'ils le méritent? Et comment les motiverais-je alors? Notre armée entière s'écroulerait. Écoute-moi, Fernand, écoute-moi bien. Je sais que tu as tes raisons pour haïr les gens du peuple à ce point. Mais je t'en prie, pour le bien de notre cause, tu dois passer outre. Non, Clive, je refuse. Je préfère mourir plutôt que de prêter allégeance à un vaurien né dans le foin. Le temps est venu pour nos chemins de se séparer à jamais. J'en ai plus qu'assez de toi et de ta délivrance. Adieu. Fernand, attends! Clive, ne devriez-vous pas aller le retrouver? Non, je savais que cela arriverait. Nous ne faisions plus que nos quereller. Je ne peux pas le forcer à adopter mon point de vue vers la situation. Peut-être est-ce mieux ainsi. Clive, je sais que ça ne suffirait pas à vous consoler, mais je ferai de mon mieux. Je te remercie, Al. Nous nous dirigerons vers le château de Zofia dès que tu nous estimeras prêts. J'imagine que tu as beaucoup de questions au sujet de la délivrance. N'hésite pas à les poser aux soldats du QG. Alors lui, il va rejoindre notre armée, c'est ça? Ah mince, j'étais trop vite. Examiner, donc il y a toujours une herbe de mana ici. Alors on va voir ce qu'il y a là-bas derrière. Caractère défense, et là, caractère attaque. Alors, Lucas attaque, Cliff attaque. Alors, défense. Et Silk défense. Hop. Très bien, donc on va aller au château. Ouh, j'espère que j'aurai assez de temps. Allez hop. Quoique c'est pas grave, on peut se laisser attaquer. De toute façon, il nous faut gagner un petit peu d'XP pour la suite. Et elle monte d'un niveau. Génial. Alors, toi, tu te dépêches de l'attaquer. En un coup, c'est bien. Comme ça, pas de dégâts. Après, entre toi et toi, je préfère Lucas. Magie blanche. Et un autre niveau pour notre team. Téléport, alors, où est-ce que... Ah, j'ai lui aussi. Je pense qu'il va pas gagner beaucoup d'XP. Ah, il aurait presque pu le faire. Ce qui nous fait... toi, bah, lui. Alm, le suivant. Ouais, très bien. Bon, ensuite, Grey. Hein. Grey, c'est notre petit cavalier. Oh non, du XP! Très bien, alors. Maintenant, on va chercher un petit peu des monstres pour nos XP.
On peut pas ramasser ce qu'il y a par terre. C'est dommage. Ah mince, ils vont nous attaquer en premier. Bon, c'est pas grave, ils sont loin. Alors, ben Grey, tu vas finir ta montée de niveau. Et qu'est-ce que tu vas nous gagner comme XP? Comme point de compétence. PV, technique, vitesse et défense. Bah oui, c'est pas mal ça. Maintenant, Cliff va le terminer. Peut-être qu'il va passer niveau 6. Ah non. Bon, c'est pas grave. C'est vrai, il n'y a pas le boss dedans. Il n'y a que les horreurs normales. Oh, mais elle fait un coup critique, c'est bien. Alors, du coup... Bah, lui aussi, il est cavalier. Donc elle peut, avec sa technique... Ah non, c'est pas elle qui a une technique. Ou alors elle l'a pas encore. Donc je sais pas. Du coup, attaque feu. Oui, Clive peut le finir. C'est pas mal. Pas mal, du coup on va utiliser Lucas pour le dernier, enfin l'avant-dernier. Bon, avec un peu de chance, il attaquera Lucas. Non, bah, je crois qu'il a pas attaqué Lucas, je sais pas qui l'a attaqué, mais bon. Ah, il a été attaqué Tobin. C'est pas grave, hein. Un peu difficile de bouger là. Normalement, il doit y en avoir un ici. Ah, j'ai pas eu le temps de lui faire mal. Alors, vas-y, Clive. Technique, vitesse, défense, ça peut aller. On va tout de suite utiliser elle. Ça fait des XP. Ah non, lui, il n'est pas assez fort. Bon. Ah, lui aussi, il devait passer au niveau suivant. Ensuite, Lucas va juste faire ça, ça va le faire passer au niveau suivant. Ah bah de toute façon, il va le tuer là. Un joli coup critique. Chance défense. Bon, plutôt le chevalier Pégase, on va le monter. Ça enchaîne hein, les attaques feu. Alors maintenant Clive. Faut beaucoup XP Alm parce que comme dans Fire Emblem Awakening, pas Fate, si il meurt, ben game over en fait. Parce que dans Fate, si le personnage principal mourait, ben non en fait, c'est bon, tu pouvais continuer. Allez, hop. Bah
Bah va attaquer Lucas si ça te fait plaisir, ça lui donne des XP comme ça. Alors Claire, Alm pourrait passer au niveau suivant la prochaine fois. Et la sortie c'est par là. Vous y allez, bonne chance alors. Faites attention aux horreurs, hein. Quoi? Si je viens avec vous? Bah, je pourrais, mais je suis pas obligée. Allez, je vous laisse décider. Vous en dites quoi? Et un nouvel archer. Allez. B, sortir. Oui. En route vers le château de Zofia, nous devons sans attendre l'arracher des mains du chancelier. Guide-nous avec honneur, Alm. Je ferai de mon mieux. Et du coup, ça va être la fin de cet épisode super court. Parce que si je fais ça, ça va être trop long. Et lui, il va prendre un petit peu de temps aussi, ce chapitre. Alors du coup, la prochaine fois, ben, vous aurez la fin du chapitre 1, donc au château de Zofia. Donc pour aujourd'hui c'est terminé et je vous dis à demain pour un prochain épisode d'une nouvelle série, enfin de Fire Emblem, de Fantasy Life, ça dépend de ce qu'il y aura.